cette carte-là et cette carte aussi annonce un énorme retour de Pokémon. Allez les gars, là je suis heureux. Enfin, c'est la vidéo de la passion, les gars. Regardez le sourire que j'ai. Ça va bientôt faire 2 ans que j'ai pas été aussi hype depuis Épée et Bouclier. Les collections incroyables. On voyait des Rayquaza, des Dracaufeu, des alternatives de fous furieux. Mais aujourd'hui, je vais vous montrer quelque chose qui va assurément vous redonner le sourire. Regardez, je fais quoi? Je mets des petits écouteurs là et on va regarder un truc ensemble. Regardez-moi ce trailer de fou, les gars. Regardez-moi ce trailer. Oh là 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 là. Oh là là. Je mets un peu plus fort. Oh là là là. Ce trailer pour les Worlds à l'occasion du championnat du monde de Pokémon, on a eu une annonce tout à la fin concernant les nouvelles collections qui allaient arriver en 2025 sur le TCG Pokémon. Et c'est un retour en trombe, les gars. C'est un retour incroyable qu'on va avoir. Je vous laisse découvrir ça en même temps que moi et vous en parler, même si j'ai regardé 2-3 leaks, 2-3 images. Je me suis gardé la surprise pour regarder le trailer avec vous. Regardez, on commence déjà par une annonce incroyable, le retour des Pokémon avec leurs dresseurs, comme à l'époque on avait eu avec Jim ou avec les VS, ou encore plus récemment sur Diamant et Perle avec Vainqueur Suprême. On a le retour de ces cartes incroyables et moi j'adore ça, les gars. Moi vous savez que j'aime bien les cartes uniques, j'aime bien les collections un peu spéciales, et le fait de remettre ces Pokémon là au goût du jour avec leurs dresseurs à côté, voilà un petit truc qui change tout, les gars. Un petit truc qui change tout. Et c'est pas fini, parce que regardez déjà, on a une très belle animation. Ils ont mis quand même le paquet hein, sur l'animation, elle est incroyable. Regardez le Reshiram qui arrive. Oh là 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 là. Reshiram qui arrive, les gars, avec le petit Dracaufeu Terra Crystal là. Oh là 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 là. Oh, ce trailer, les gars, il est juste fou. Déjà incroyable, le N. Vraiment, le beau gosse de la série N, il est incroyable. On aime trop les cartes de N, les gars. Et en plus de ça, vous allez voir après, c'est pas fini parce que il y a plein de choses qui vont être dévoilées dans ce trailer. Il n'y a pas une collection, mais il y en a deux, les gars. Il y en a deux, et la deuxième est encore plus incroyable que la première que vous êtes en train de voir là. C'est ça qui est fou. C'est ça qui est fou. On va avoir les gars, ça faisait tellement longtemps que j'avais pas été aussi hype sur Pokémon. C'est juste incroyable. Bien sûr, le trailer de Pokémon est disponible sur la chaîne officielle si vous voulez le regarder un peu plus tranquillement après cette vidéo, avoir un peu le son sans ma voix derrière. Mais les gars, je suis obligé, j'ai envie de crier. Le matin quand j'ai vu ça, j'étais comme un fou, les gars. J'étais comme un fou. La passion, c'est la vidéo de la passion, les gars. Regardez ce Reshiram incroyable avec N, les gars. Et le pire, c'est que c'est pas fini. Regardez ça. Attendez, les gars. Regardez-moi ça. Regardez-moi ça, les gars. Il y a le goat, les gars. Après Red. Dans les versions jaunes, dans les versions bleues, dans la version verte qui est jamais sortie, dans la version rouge, on a après Gold. Le deuxième goat, les gars, de la série Gold. Celui de Or et Argent, les gars. Or et Argent, ma version de cœur, les gars. La version que j'adore, que je kiffe. J'adore les chiens légendaires, Lugia, Suicune et tout. C'est vraiment un truc de fou. Et là, on va sûrement avoir des cartes, les gars, avec Gold dessus, pardon. On va avoir des cartes avec Gold à la mode Vainqueur Suprême, etc. Avec le Pokémon et tout simplement Gold en bas. Peut-être un Typhlosion, peut-être un Liga Tueur. Faut voir, mais déjà, ça annonce du lourd. Ça annonce du lourd parce que les Pokémon qu'il avait en plus, c'est juste incroyable, les gars. Et c'est pas fini, les gars. Regardez ce qui arrive juste après. Regardez, vous le connaissez, ce logo, les gars. Vous voyez ce qui vient de passer à l'écran ou pas? Est-ce que vous voyez ce qui vient de passer à l'écran, les gars? Je vais vous mettre pause si vous l'avez pas vu. Il s'est passé un truc incroyable là. Juste pendant une fraction de seconde. Regardez-moi ça. Oh là là, qu'est-ce que c'est que ça? Qu'est-ce que c'est que ça, les gars? Le retour de Mewtwo dans un set Rocket. Ça va être juste incroyable. Ça va être fou, les gars. Ça va être fou. On va avoir un set Rocket qui va revenir. J'espère qu'ils vont faire du vraiment bon taf. Pourquoi? Parce que Rocket, normalement, c'est censé être les deux premières générations, pas plus. Normalement, c'est version or et argent, cristal, et puis voilà, la jaune, etc. Normalement, même si après c'est revenu dans Soleil et Lune avec la Team Rocket multicolore, je sais pas quoi, c'est les deux premières versions. Donc, normalement, ça va être un peu un genre de 251. Ça va être donc, au lieu de 251 qui est 151 premiers Pokémon, là, on va voir 251, les gars. Ça va être fou! Ça va être juste fou, à la mode Team Rocket, à la sauce Team Rocket, peut-être avec des Pokémon obscurs, avec des Pokémon Rocket, enfin, il y a tellement de possibilités, de trucs, de zinzin, les gars. Après avoir eu l'annonce de l'Ultra Premium Terrapagos, on a enfin le droit au bonheur, les gars. On a enfin le droit au bonheur, parce que Terrapagos sur une Ultra Premium, non, les gars, parce que ça, je vous en ai pas parlé, mais l'Ultra Premium qui va sortir, en fin d'année, il y aura Terrapagos dessus. On aurait bien aimé un Pikachu, quelque chose de sympathique. Et on va avoir un Terrapagos, donc voilà, bon, c'est dommage, mais c'est pas grave, on a du lourd qui arrive juste après. Et là, je vous parle de ça, mais vous avez pas vu,
ce qui a été annoncé d'autre. Donc là, on va avoir EV9 normalement, qui va être du coup à la sauce gym avec le petit dresseur en bas et le Pokémon. On va avoir peut-être EV10 ou 9.5 avec Rocket. Et on va avoir EV8 qui a été annoncé aussi. Et EV8, les gars, on a Latios et Latias. Regardez-moi ces cartes incroyables. Latios, Latias, les gars, en alternative et en AR, elles sont juste folles. Et les trucs super cool, c'est que Latios, il est AR et le Latias, il est alternate. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire que, les gars, dans la même display, vous pouvez avoir Latios et Latias. Alors que d'habitude, avoir deux alternatives, c'est vraiment très, très dur avec les dernières collections. Là, vous pouvez l'avoir. Alors, je vais pas dire facilement, mais c'est possible. Et ça, c'est beau, les gars. Imaginez, vous ouvrez une display, vous avez un Latios et un Latias. Ah là 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 là, ça va être juste fou, les gars. C'est juste incroyable. Et ça, on va s'en péter, les gars. Vous connaissez les box break, tout ça. Moi, je serai là. On va s'en péter plein, les gars. D'ailleurs, il y a mon lien WhatsApp dans la description. N'oubliez pas les 15 euros offerts. Je place ma petite pub comme ça, ça fait plaisir. On va s'ouvrir des trucs de fou, les gars. On va s'ouvrir du Rocket. On va s'ouvrir des choses de fou. Je suis trop pressé que ça sorte, les gars. C'est juste incroyable ce qui se passe. Comme vous le savez, Pokémon, depuis un certain moment, ça a un peu de mal. Les gens sont moins hype, ce qui est normal. Même moi, c'est vrai que quand je vois un petit... comment il s'appelle déjà? Ogarpon. C'est vraiment pas notre Pokémon. C'est vraiment pas notre Pokémon, Ogarpon. Donc ça fait plaisir. Ça fait plaisir de voir ça arriver. Moi, vous l'avez vu dans la vidéo. Ça fait combien de temps que j'avais pas fait de petites vidéos comme ça, les gars? Dès que j'ai vu l'annonce, à 8h du matin, j'avais envie de faire la vidéo. J'attends jusqu'au soir, je pensais à ça toute la journée quand j'étais au travail. Je pensais qu'à ça, les gars. Surtout Rocket. Rocket qui revient même. J'attendais que ça, un retour d'une collection à la gym, les gars. On peut avoir des persos de ouf. Imagine, on a un raid, un Pikachu de raid ou un truc comme ça. Alors, c'est très peu probable, il n'y a pas eu d'annonce. Enfin, très peu probable, je sais pas en vrai. Mais il y a tellement de choses à faire. Il y a tellement, tellement de choses à faire. Et le gold qui va arriver, oh là là là. D'ailleurs, c'est possible qu'on ait un petit Suicune de Eucine, je crois qu'il s'appelait. Ouais, c'est ça, Eucine. On peut avoir des trucs vraiment sympathiques sur cette collection-là. Imaginez, on a un Ho-Oh de gold ou un Lugia de gold. Oh là là, je commence à me faire des films dans ma tête. On a aussi peut-être son adversaire, vous savez, le rival, Silver. Peut-être il va apparaître dans les cartes, on sait pas. Enfin, il y a tellement de possibilités que moi, je suis extrêmement hype. Et j'avais envie de vous faire cette vidéo pour vous partager ma joie, les gars. C'est un truc de fou. En résumé, on a EV8 qui arrive, qui est juste incroyable avec Latios, Latias et normalement un Pikachu. Peut-être alternatif avec voilà, un petit Terra Crystal avec une petite couronne, quelque chose de sympathique. On attend de voir ce que ça va être. Et après, on a tout ce qui est gym, du coup, écarlate et violet, on va dire, on va l'appeler comme ça. Et derrière, on aura un Rocket. Donc, les gars, là, on va avoir que des trucs de fou qui vont suivre. Et on sait pas, peut-être un set avec Rayquaza. Normalement, chaque fois qu'il y a eu un bloc, il y a eu un set avec Rayquaza. Il n'y a jamais eu de set où Rayquaza n'était pas sur la display. Là, on n'a pas encore eu de set Rayquaza, donc peut-être. À la fin, avant la fin du bloc, on va avoir des trucs de fou. Et ça fait plaisir. Le bloc écarlate et violet, je pense qu'en 2025, il va nous surprendre et va nous balancer des trucs de fou. Voilà, c'était ma petite vidéo réaction. N'oubliez pas de vous abonner. On va suivre ça de près et je vais vous donner plein de news dessus. Et d'ailleurs, on en parle très souvent en live sur WhatNote. Donc, je vous laisse mon lien dans la description. De la même façon, je vous dis à la prochaine. Portez-vous bien.